Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va bien. Bon allez, on va regarder les énergies, ok? Les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Alors, on a quoi? Donc là, tu peux déjà connaître quelqu'un. Ouais, je pense que tu connais déjà quelqu'un. Parce que c'est ce truc où ça finit bien au final. Tu vois, c'est comme par exemple, tu regardes un film. Comment te dire? Tu regardes un film et tu sais pas comment ça va finir l'histoire. Tu vois? Il y a le suspense. Tu vois? Tu te dis, putain. Je sais pas si ça va bien finir hein, le film. Moi, t'en penses quoi, Véro? Tu crois que le film va bien finir? Moi, je sens beaucoup. C'est quand même mal parti, quand même, hein, dans cette love story entre eux. Hein. On connaît love story, le film, quoi. Hein, tu vois? Bon. Voilà, c'est ce truc où tu sais pas. Tu vois? Tu sais pas la fin, quoi. Tu vois? Il y a la laine, il y a. Tu t'es tenu dans l'histoire, tu vois? Ou. Punaise, tu as envie de savoir, tu vois, si l'acteur, l'acteur et l'actrice qui s'aiment, tu vois, dans ce film, vont pouvoir être ensemble ou pas, malgré le fait que tu sais pas. Hein, voilà, ce truc où tu te dis, putain, tu crois que ça va bien finir le film? Parce que, voilà, tu vois ce que je veux dire? Ben voilà ce que je vois. C'est ce genre, ce genre de relation où, Tu sais pas si ça va bien finir, tu vois, ou pas. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, là, voilà, je vois ça. Et que, si par exemple, tu as quelqu'un et que tu sens, pour moi, si tu sens que c'est la personne qui est faite pour toi, l'univers te dit que oui. Et te dit que... c'est une relation qui finira bien. Une relation où, qui est protégée, tu vois, par l'univers. Voilà. On te dit oui. Voilà. On te dit oui que ça finira bien, tu vois. Le film finira bien à la fin. D'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas trop savoir déjà la faire au début. Bon. Mais... moi, on me dit que cette histoire finira bien, ok? Malgré que en survolage autour de tout ça, moi, j'ai une personne, enfin, il y a déjà autour de cette histoire, moi, je vois déjà, une femme qui n'est pas réservée à un homme. D'accord? Une femme qui pense que oui. Qui pense, elle est convaincue d'être, si tu veux, même l'ange gardien, par exemple, de ce monsieur. Et que, pour moi, non. Voilà. Pour moi, cette dame se trompe. Voilà. C'est pas elle. C'est pas elle. Elle pense aussi qu'elle est en élévation, si tu veux, au niveau de sa clairvoyance, au niveau de sa spiritualité. Et non. Elle pense... moi, elle pense aussi que si, par exemple, son histoire s'est mal terminée avec ce monsieur, ça peut être à cause d'amis autour. Non. Voilà, hein.
Il y a ce truc aussi où elle parle d'addiction, de dépendance, de drogue, ça peut être en tout genre, de cacheton, voilà, d'addiction, mais c'est faux. Et que pour moi, moi je ne les vois pas, la fin de l'histoire n'est pas avec elle en fait. Et que pour moi, cette dame a dû. Elle a un blocage, elle a fait un blackout pour moi. Elle a fait un blackout et un gros blocage, une grosse fixation pour moi sur ce monsieur. Et que moi, pour moi, elle est en obsession, en addiction sur lui. Mais et c'est très malsain en fait. Elle est très malsaine et que pour moi, non, 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 non. Non, non, pour moi, non, c'est pas elle en fait. Même au niveau, si tu veux, de son intuition, clairvoyance et tout, non, 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 non. elle évolue pas, elle évolue plus, non, non, elle n'évolue plus, non. Et puis, bon, pour moi, je te dis, hein, elle a. Je la vois très matérialiste, elle. Non. Et en plus, je pense qu'elle sait. Je pense qu'elle est au courant, de toute façon, qu'il y a une autre personne. Elle sait. Elle sait. Elle sait très, très bien que, y en a une autre, d'ailleurs, qui est. Qui est elle évolue dans sa spiritualité, mais pas elle. Non, 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 elle évolue pas. Hein. Non, 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 au niveau de ça. Et puis, même si moi, elle le fait pas, même si par exemple, comment te dire, tout ce qui est, si tu veux, spiritualité, tout ce qui est. Elle les fait, elle, pour moi, c'est pas pour les bonnes raisons. Non, non, c'est pas pour aider les autres. Non. Je suis désolé. Non. Je la vois très différente de l'autre. C'est un peu comme le jour et la nuit, quoi. Hein? Voilà. Moi. Non. Moi, je la vois pas. Déjà, concernant, par exemple, elle et lui. Non, elle est trop. Je te dis, déjà, elle a fait une fixation. Elle a fait un gros blocage sur lui. Ils ont été ensemble, mais à l'heure d'aujourd'hui, ils ne le sont plus. Hein. Et que, pour moi, ils le seront plus. Non. Non. Et même, elle a tellement pété un câble. Non, elle est incapable de prédire pour les autres. Elle est même incapable de prédire pour elle-même. Donc non, non, non. Elle est plus là. Elle est dans un autre monde, cette femme. Elle est malade. Ouais, elle est malade. Elle est malade. Ouais, elle est malade. Moi, je vois une femme très malade. Et que non, hein, on me dit non, clairement, que non. Non, 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 ils seront pas ensemble. Hein. Et que moi, je pense que tous les problèmes qu'il y a eu venaient uniquement d'elle dans leur couple. Hein. Ouais, c'est elle qui a fait beaucoup souffrir ce monsieur. Hein. Moi, voilà. Hein. D'ailleurs. Elle a pu te essayer ou ouais, elle a pu déjà essayer de t'atteindre. Elle a pu même essayer de te convaincre que ce monsieur n'était pas pour toi, que quelqu'un d'autre l'était, mais pas lui, tu vois. Elle a peut-être même essayé de rentrer en contact avec toi et tu ne savais pas que c'était elle, tu vois.
Bah, peut-être par rapport, vous savez, hein, des affinités, les ressentis, la médiumnité, voilà, ce genre de choses, ok? Voilà. Pour t'éloigner de lui. Mais bon, ben non, ça ne marche pas parce que ben, si tu l'aimes, tu l'aimes. Tu vois? Donc voilà, tu vois, et que même si elle te dit que ben, il n'est pas fait pour toi, ben, tu l'aimes. Donc on peut te dire ce que tu veux, si tu aimes un homme, tu aimes un homme. Et si un homme, il aime une femme, il aime une femme. Tu vois? Bon. Mais pas mal de bâtons dans les roues parce que voilà. Et j'ai une notion, alors je la vois, alors je sais pas pourquoi, mais il y a le cancer, le lion et la vierge. À côté, j'ai le capricorne, le verseau et le poisson. Ok, bon. Alors toi déjà, par exemple, en tant que femme, tu as souffert en amour, hein, à cause des hommes, ouais, qui t'ont fait beaucoup de mal. Ok, tu as toujours été sincère. Tu as voulu construire, mais non, non. Pour moi, à chaque fois, on te fait du mal. Ok? Bon, voilà. Donc, voilà. Toi, ben, avec tout ce que tu as passé, à mon avis, tu as eu beaucoup de chocs émotionnels dans le cœur. Ça t'a fait évoluer, ça t'a fait apprendre des choses hein, sur ton cheminement de vie. Ouais. T'as dû souffrir hein, en amour hein, en tant que femme. Hein. Tu vas encore monter, 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 monter dans ta spiritualité. Ouais. Tu vas beaucoup évoluer. Tu as compris beaucoup de choses aussi en tant que femme. Hein, voilà. Tu as pu te poser aussi des questions, hein, si c'était pas de ta faute, etc. Mais on te dit que non. C'est pas de ta faute, hein, à chaque fois si tu tombes sur des hommes voilà, hein, qui ne t'aimaient pas réellement et qui se sont joués de toi. Après, j'en vois aussi bon, qui avaient des vies doubles ou d'autres relations. Tu vois, voilà. D'accord. Donc ça, on me le dit, ok? Voilà, ce chose assez, tu vois, éphémère. Alors, ça pouvait durer 6 mois. Après, tu en as eu des plus longues. Mais toujours, 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 bon, on s'est joué de toi. Voilà. Donc, bon, on te dit qu'enfin, tu vas connaître, bon, ben, ce que c'est vraiment une relation où on t'aime vraiment et où il y aura, ben, la réciprocité. En plus, où... Bon, en plus, tu as beaucoup souffert, donc tu ne feras pas du mal, par exemple, à ce monsieur, et ce monsieur aussi. Donc, je ne pense pas que vous allez vous mettre des bâtons tous les deux dans les roues. Après, les souffrances que vous avez connues, chacun avec d'autres partenaires, tu vois, voilà. À moins que vous soyez, que vous aimiez vous faire souffrir, mais je ne pense pas. Ok? Pour moi, vraiment, c'est assez lumineux. C'est assez ensoleillé. Vous allez faire beaucoup de choses à deux, en cocooning. Beaucoup à deux. Beaucoup, beaucoup plus à deux que. Je n'ai pas l'impression que ça sera des choses avec beaucoup de monde. Non, non, non. Je pense plus que vous avez beaucoup souffert et que ce que vous ferez, vous le ferez tous les deux. Ok? À l'abri des regards, et puis vous n'aurez pas envie qu'on vous casse votre jolie relation. Donc, ouais, vous ferez beaucoup de choses, mais à deux, uniquement à deux, et que vous allez vouloir vous protéger. Voilà, vous n'allez pas vouloir qu'on détruise bah, votre relation. Ok, bon, je pense aussi que vous éviterez aussi de parler de vos vies aux autres. Ouais, de manière générale, hein. Vous allez éviter de raconter vos vies aux autres. Ça aussi, ça a pu vous poser des problèmes. Ça a pu même vous éloigner au passé. Okay? Donc, bon, à un moment donné, ben, on tire les leçons des erreurs que l'on peut faire chacun de son côté. Donc, ça, voilà, ça sera bouche cousue. Hein. Ça sera votre petit cocooning à tous les deux. Ok? Voilà, voilà, hein, on te dit clairement oui.
même hein, les amis, les machins, les bidules, je pense vraiment qu'on racontera plus rien. Plus rien. Voilà, hein, vraiment, c'est ce truc. Vraiment, c'est ce truc où on racontera plus rien, quoi. Voilà. Alors, en tant que femme, toi, tu ne raconteras plus rien aux autres femmes. Même limite. Et en plus, bon, je te vois, tu n'auras plus contact avec aucun homme. De toute façon, à mon avis, tu n'aimes que lui. Donc, voilà, je ne te vois pas discuter avec des hommes. D'accord? Ça ne t'intéresse pas. Et bon, après, ça peut arriver que parfois, on essaye. Mais tu discutes pas trop. Tu coupes vite le contact hein, au niveau de la jante masculine. Tu ne veux pas avoir de secret, par exemple, pour ce monsieur. Voilà, ça te plaît pas. Après, je te dis, au niveau des femmes, tu raconteras plus jamais rien de ta vie, ok? Parce que je pense que tu as compris certaines choses également. Encore, bon. Après, j'ai une notion aussi de bélier, de taureau et de gémeaux. Et je sais pas, j'ai l'impression aussi que on va se renfermer par rapport à certains signes concernant aussi sa vie sentimentale. Voilà. Moi, je te le dis. Hein. Ouais. Parce que il peut y avoir même eu des fuites où on a pu te causer des problèmes. Donc, je pense que tout ça, vous allez le comprendre et que, bon, vous en parlerez plus. Non, moi, je... Voilà. Hein, vraiment, ce truc... donc, voilà. J'ai même l'impression que si tu dois revoir, par exemple, ce monsieur, tu n'en parleras pas. Ouais. Moi, je pense que tu n'en parleras pas. Non. Même si, par exemple, tu as besoin d'aide pour le voir ou quoi, tu te débrouilleras autrement. Je pense que tu n'en parleras pas, quoi. C'est vraiment ce truc où tu as compris qu'autour de toi, on veut du mal à votre relation. Hein. Donc, c'est pas le but, quoi. D'accord? Donc, voilà. Hmm? Tu vas te débrouiller autrement. Parce que il y a des tas de questionnements, en fait, qui vont te venir en tête, mais à lui aussi, tu vois. Et qu'on a voulu ou qu'on voudra, on a voulu vraiment faire du mal à votre relation. Déjà, il y a cette femme, là, je te le dis, voilà, hein, qui, à mon avis, elle, n'a pas aidé, ok. Moi, c'est quelqu'un avec qui il a été au passé. Donc, voilà. Déjà. Ouais. Et elle a essayé. Hein. Moi, je pense qu'elle, elle a essayé de t'éloigner de lui. Déjà, elle. Mais après, il y en a eu d'autres. Ah oui. Il y en a eu d'autres. Hein. Je vois d'autres femmes qui ont essayé de t'éloigner de ce monsieur. Oui, 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 oui. Et voilà. Ok? Donc, je comprends pas, je veux dire, je comprends pas. Et lui, je pense que, ou il se doute, ou il le sait. Moi, et que même à la limite, on a pu même vous éloigner vraiment déjà. Ouais. Et que même à la limite, là, on a encore essayé de le faire, mais ça n'a pas marché, tu vois. Et que je pense que bon, toi comme lui, vous allez le comprendre. Hein. Voilà. Déjà, il y a celle-là, donc, que je te parlais au début, mais j'en vois d'autres. Et que, bon, ben, vous allez comprendre que oui. Hein. Ok, on veut vraiment casser votre jolie relation, hein, votre lien. Moi, je te le dis. Et que à un moment donné dans la vie, ben il faut faire des choix, hein, d'accord. Et que quand on n'a pas le choix et qu'on s'aperçoit qu'on veut casser votre lien, bon ben choisis, hein, d'accord. Donc après bon, je vois d'autres signes hein, qui elles vont espérer. que peut-être tu les choisisses. Qui est... que tu les choisisses. Hein. Ça peut être aussi des personnes que tu connais.
Bah là, en scorpion, Sagittaire. Que tu fasses un choix, que tu les choisisses. Moi, j'ai une sphère et une doute. Hein. Ok? Non. C'est par rapport à ce monsieur, c'est un truc. Non, non. Vous arrivez à vous canaliser. Et ça, c'est que vous deux. Hein. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Hein. C'est. Par exemple, tu es énervé. Tu es pas bien. Tu es en colère, machin, bidule. Hein. Bah, dès qu'il arrive, il te parle et tout. Et c'est le seul à réussir à avoir cet effet sur toi. Et peut-être que tu as un peu le même effet sur lui, en fait. Et que vous avez un lien très, très. Un lien karmique, un lien. Voilà, hein, vous deviez vous rencontrer. D'accord? Et ça, ben, elle va faire rentrer ça, par exemple, dans la tête de cette femme, tu vois. Voilà. Bon, ben, écoute, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Et que. On n'y peut rien, tu vois. Et que pour moi, vous êtes destiné. Voilà. Donc je te dis, méfie-toi des femmes. Voilà, méfie-toi des femmes parce que pour moi, on veut vous séparer. Donc, si tu ne veux pas être séparé de cet homme, tais-toi. Tais-toi, c'est. Moi, je pense que. Ouais. Moi, je pense vraiment que. On cherche vraiment à vous mettre des pépins sur la route. On veut te faire repenser aussi. On a peut-être essayé de te faire repenser que c'était un homme putain, qui avait 50 millions de femmes. Qu'il était. Voilà. Mais en tout cas, il y en a une, malgré qu'elle dit ça, putain, elle le veut. Hein. Alors, pour un homme putain, qui se tape, excusez-moi, des millions de femmes, pose-toi les questions. Pourquoi elle le veut autant hein? Tu vois? Hein, c'est vraiment à contresens. Ça correspond pas, quoi. Tu vois? Est-ce que tu as vu beaucoup, par exemple, de femmes, par exemple, le mec. Il est super faux, pas profond, pas fidèle. Un homme qui se tape toutes les femmes de la terre comme des inversions. Est-ce que tu crois sincèrement que quelqu'un qui veut une relation ben, unique va accepter ça? À moins que vraiment tu aies une addiction. Hein? T'imagines, sérieux, une femme qui va accepter que son mec se tape 50 femmes par jour. Bah, j'ai peut-être j'abuse. Est-ce que tu crois qu'un homme, pareil, va accepter, oui, que sa copine ou sa femme se tape 50 millions de mecs? Est-ce que vous trouvez que c'est cohérent ce genre de propos, par exemple, que peut tenir une femme par rapport à un homme de son passé? Il n'y a pas un problème, non? Pas un problème. Vous trouvez que, est-ce que ça tient la route? En plus, ils sont plus ensemble. En plus. Est-ce que vous trouvez que c'est cohérent ce que cette femme, par exemple, dit? Et en plus, elle attend. Elle attend son retour. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est cohérent? Ah ben moi, je crois pas. Donc, je vous dis, hein, bon, voilà. Elle est convaincue que c'est son âme sœur ou je sais quoi. Et c'est pas vrai, hein. Mais non, c'est pas vrai. Bon, pour moi, c'est pas son âme sœur, hein. C'est pas son âme sœur. Non, non, pas du tout, hein. Non, c'est pas son âme sœur. Hein. Non, elle est fausse, elle est rusée, elle est malhonnête. Non, 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 c'est vraiment pas une femme bien. Comment, en plus, c'est pas ça. C'est qu'elle lui fait une sale répute. Hein. Et elle peut te le faire aussi à toi. Donc, aucune dignité. Aucune valeur, tu vois. Franchement, pour une femme qui aime un homme, dire que son ex, enfin, que son ex-mec se tape toutes les femmes de la terre, pour une. Comment tu veux faire une telle répute à ton mec, à ton ex? Mais attention, hein, elle est capable de faire pareil avec toi. Hein. C'est une malade du cerveau. Hein. Ah oui, elle se dit très spirituelle. Très clairvoyante, qu'elle est dans l'aide aux autres.
je crois qu'elle devrait aller se faire une psychanalyse. Hein. Et encore, c'est pas le cas. Hein. Non, mais c'est grave, quoi. C'est grave, pour moi, c'est une femme malade, tu vois. Et je pense qu'elle, elle a besoin d'aide. Hein. Ah, moi, je pense qu'elle, elle a besoin vraiment de soins. Hein. Si c'est pas déjà le cas, d'accord. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.